aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo haul cadeau d'anniversaire. Enfin, j'avais déjà intitulé ça comme ça l'année dernière. Ça vous avait assez plu et là pareil, vous avez été quelques-unes à me demander, donc je m'exécute. Tout simplement, donc je vais les faire en deux catégories entre guillemets, avec tout ce que mes amis m'ont offert et ma famille après, ce sera plus simple parce que là j'ai tout étalé, c'est un peu le bordel. Donc au niveau de mes amis, je sais même pas par quoi commencer, on va prendre le premier truc qui me passe par la main. Une de mes amies m'a offert une boîte de Cosmity. J'ai jamais goûté cette marque, j'en entends beaucoup parler, mais c'est vrai que j'ai jamais goûté. Donc là c'est le Genmaicha, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est du thé japonais, du thé vert japonais avec, ça doit être écrit en français quelque part. Ah bah oui, thé vert du Japon, grain de riz grillé, de riz soufflé. Donc vous savez, c'est des petits sachets en mousseline. C'est trop mignon, j'ai senti déjà, ça sent trop bon. Donc j'ai hâte de le goûter. Ensuite, j'ai eu un petit baume à lèvres d'une amie aussi, de la marque Eos, que je voulais tester depuis très très longtemps, depuis qu'ils sont sortis en fait, tout simplement. Donc là, c'est au sorbet strawberry, donc à la fraise. Donc c'est marqué que c'est 100% naturel et 95% organique. Et vous savez, ça se présente... comme ça, donc j'ai hâte de l'ouvrir, mais il n'est pas encore déballé tout simplement parce que j'en ai encore plein à finir. Donc je ne vais pas l'ouvrir exprès, mais j'attends avec impatience de pouvoir tester cette petite merveille. Ensuite, une autre amie, enfin tout le monde m'a gâtée, franchement, je vais faire un gros merci à la fin. Mais elle m'a pris plein de trucs à l'oche, donc j'ai pas encore forcément tout ouvert, donc c'est encore sous les paquets. Je suis désolée, je vais peut-être pas les ouvrir exprès. Mais alors j'ai le savon Rockstar, donc qui est le savon best-seller rose et sucré. Mais qui n'est pas réservé aux petites filles et qui sent divinement bon. Oh, j'ai hâte de m'en servir. Ensuite, elle m'a pris un bout du savon feuille et filles, donc riche en figues fraîches et en aloe. Ce savon vous fera plutôt l'effet d'une crème hydratante qui sent divinement bon. Enfin, si je dis ça à chaque fois que je sens un produit là, j'en ai pas dans la merde. Elle m'a pris un shampoing solide que je voulais essayer depuis très très longtemps aussi, donc ça tombe très bien, qui est le Pousse plus vite, qui est un shampoing stimulant aux épices pour un cuir chevelu heureux. Donc, il sent le frais, il sent super bon. Donc j'ai hâte aussi, pareil, de m'en servir. Elle a pris aussi un soin hydratant qui est le soin Buvard pour les peaux grasses. Donc elle me connaît bien. Donc voilà, qui se présente comme ça. Alors je sais plus ce que ça sent. Ça sent le frais, c'est un peu le citron. Je pense qu'il y en a dedans d'ailleurs. Enfin bref, donc de toute façon je vous ferai des revues pour tous ces petits produits-là. Et en échantillon, j'ai eu Princesse de Neroli qui est un soin visage que j'ai déjà eu et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est très très bien. Ah, il y en a un que j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je mettrai une photo à la fin ou dans l'article. Une de mes copines m'a offert Chocofun. Donc c'est pour faire des fondus au chocolat, tout simplement. Donc je l'ai pas encore déballé, c'était pour vous le faire voir. Mais je pense qu'on va vite s'en servir avec l'automne qui arrive. Et je vous raconte pas la galère parce que j'ai fait mon anniversaire en boîte de nuit. Et pour ramener ça, heureusement qu'au dernier moment, on a décidé de m'emmener en voiture parce que sinon ça aurait pas été possible de tout ramener. Bref. Ensuite, encore de mes amis, j'ai eu un petit... Alors, c'est un porte-monnaie, portefeuille. Parce qu'en fait, il s'ouvre sur toute la longueur. Et du coup, ouais, il est un peu plus épais que juste un porte-monnaie. Donc, en effet, il y a une poche et puis il y a plein de petites poches pour les cartes sur les côtés. De la marque Lollipops. Avec une petite chouette dessus avec marqué Lollipops. Voilà. En plus, j'ai eu, je vous l'ai déjà fait voir parce que, voilà, j'ai eu la Naked 2 que je voulais depuis mal de temps, donc avec le petit gloss. J'ai tout gardé l'emballage pour vous faire voir, vous avez vu. Mais je m'en suis déjà servi, mais j'arrive pas à enlever l'autocollant du miroir, j'ai pas envie, après elle sera plus toute propre. Enfin bref, donc je suis super contente, j'ai déjà commencé à la baptiser, je m'en sers quasiment tous les jours, quasiment, sauf aujourd'hui forcément. J'ai eu de Malilico, que vous connaissez, un petit bouquin personnalisé en fait. Je l'ai déjà lu, je l'ai lu le dimanche en rentrant. C'est franchement drôle, c'est un espèce de thriller où en fait c'est moi l'héroïne et il y a quelques copines aussi qui apparaissent avec quelques références assez sympas. Donc franchement je le conseille, c'est super rigolo, je vous mettrai de toute façon les liens de ce que je connais en tous les cas en barre d'infos parce que là il y a le site internet. Et ça fait franchement une petite idée fort sympathique pour rigoler un anniversaire ou autre. Je trouve ça très rigolo, je me suis amusée à lire. Et en plus, elle m'a acheté une montre River Island. Voilà, elle est comme ça. Il y a des détails de rose gold et après c'est en couleur argent.
Le cadran est nacré et il y a des petits strass à l'intérieur sur chaque petit truc. Mais en fait, vu que ça fait pile la largeur de mon poignet, moi je la trouve nickel. Enfin, c'est pas du tout le même style que d'habitude de ce que je porte, mais je la trouve vraiment super jolie. Donc je la garde, je ne vais pas du tout les changer. J'en suis très très contente. Ah oui, et ce que j'ai pas sur moi en fait, c'est un gros mug Stitch qui était rempli de petits chocolats célébration. Donc je crois qu'on a kické les chocolats assez vite. mais le mug il est trop mignon, c'est Stitch qui se réveille en mode un peu mauvaise humeur, donc c'est tout à fait moi. Donc le dernier cadeau, enfin le dernier, de mes amis en tous les cas, c'est cette encyclopédie de Malade qui est mon cours de cuisine dans les éditions Marabout, si je dis pas de bêtises, ouais. Et qui est trop bien, j'en ai déjà deux comme ça pour faire les desserts. Et en fait c'est super pratique parce que vous avez en fait les étapes au fur et à mesure. Donc ça permet de pas trop se tromper dans la recette. Et je sais que toutes celles que j'ai faites pour l'instant ont toujours très très bien marché. Et là en plus il y a de tout parce que je sais faire les desserts mais alors je suis une brêle pour tout ce qui est salé, faut dire ce qu'il y a. Donc là il y a même des recettes basiques mais que j'ai jamais fait, genre un rôti de bœuf, bah, j'ai jamais fait. Mais voilà, c'est le genre de choses où on se pose toujours la question. Donc plutôt que d'appeler maman à la rescousse quand on prépare quelque chose, et bah du coup j'aurai mon petit bouquin. Enfin petit. Mon gros bouquin. Voilà. Donc après on va passer à la famille. Donc déjà je vais vous présenter ce que je porte sur moi. Donc mes parents m'ont offert une montre de chez Fossil, qui est comme ça. Donc le bracelet en fait il est comme les lunettes que j'ai en imitation Ray-Ban et que j'adore. Le cadran il est doré avec des petits strass et à l'intérieur c'est donc marron glacé avec des détails marrons. Je la trouve très très jolie. Voilà. Et en plus c'est trop bien, Fossil en fait on choisit sa boîte de montre, donc parce que j'ai été choisir ma montre. Et du coup il y a plein de boîtes et c'est nous qui choisissons, donc je trouvais que c'était sympa parce que du coup je vais pouvoir m'en servir et me faire une petite boîte à coton ou quelque chose comme ça, je la trouvais super mignonne. En plus ils m'ont offert une bague qu'il y avait sur ma wishlist de chez Tiffany. Alors, hop, qui se présente comme ça, donc toute bête, c'est un petit anneau tout bête en fait sur la bague est gravée l'adresse du Tiffany parce que j'ai le... À New York, je m'étais acheté le collier avec marqué Please Return et à l'adresse de Tiffany. Donc du coup, bah, ça me fait un petit ensemble. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir aussi. De toute façon, je suis contente de tous mes cadeaux. Voilà. Ensuite, ma maman m'a offert, mais ça je le connaissais aussi ce cadeau, un kit de Fred Farrugia, qui est le Midnight Kit. En fait, j'étais en solde. Et du coup, bah, j'avais trouvé trop bien et tout. Mais je me suis dit, j'ai déjà trop dépensé en solde, machin. Donc elle m'avait dit, je te le prends, mais tu l'auras pas avant ton anniversaire. Donc voilà, donc à la petite pochette et je vais vous faire voir vite fait. Parce que ça y est, je l'ai désossé, on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas les palettes Farrugia, en fait, c'est voilà, c'est des petits trucs comme ça, des petits modules que vous clipsez les uns aux autres. Donc vous avez le couvercle, le miroir. Et elles sont aimantées entre elles. Donc j'ai un duo de rouge à lèvres en teinte 24. Donc enfin, je vais pas vous faire les swatchs là parce que j'en ai avoir plein les doigts. Mais c'est juste pour vous dire ce qu'il y a dedans. Après, il y a une poudre lumière. Très très belle. Et ensuite il y a un duo de fard à paupières scintillant. Voilà. Donc en effet pour une petite palette de soirée, c'est le petit truc à glisser en son sac quand on sait qu'on sort le soir et on peut se refaire vite fait par-dessus un maquillage assez neutre, on peut se refaire vite fait un petit look de soirée un peu charbonneux avec des paillettes. Fin. Donc j'ai trouvé que le concept était vraiment sympa, je voulais tester depuis très longtemps, donc grâce à ça je vais pouvoir. Ensuite elle m'a fait une petite carte, enfin mes parents m'ont fait une petite carte cadeau Sephora, donc forcément je vais aller très très vite fait me remplir encore mon stock. Et ensuite en fait c'est mon frère et sa copine qui m'ont offert deux magnifiques accessoires. Donc un portefeuille, donc c'est Lancaster, c'est un lot entre guillemets Lancaster. Donc c'est marron un peu brique, il y a un petit nœud devant. Donc vous avez le côté portefeuille qui est immense. Et vous avez... Parce qu'en effet, enfin, il était temps que j'en change et que j'ai enfin quelque chose d'un peu plus féminin. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un cadeau de... Bah, je vais vous faire voir après, juste. Et en dessous, après, vous avez donc le porte-monnaie. Enfin, moi, je sais qu'il met mes billets, pas forcément mes pièces dedans. Et qui va avec, il y a le petit porte-monnaie. Voilà, qui est juste trop mimi. Donc, ça va aller très très vite dans mon sac. Et justement, donc, je vous ai dit que j'avais oublié de vous parler d'un cadeau, parce que c'est mon sac à moi. J'ai encore des amis qui me l'ont offert, je l'ai mis dans ma wishlist, il vient de chez New Look et je le trouve juste mais adorable. Donc il est tout bête comme ça, noir et marron, avec le petit cadenas devant et les petites anses comme ça
en mode ceinture que je trouve adorable avec aussi une lanière. Et pour finir, ma mère, donc enfin toute ma famille, on a été au resto pour fêter ça. Et ils m'ont offert donc les cadeaux au resto. Elle m'a dit, mais du coup, ne t'inquiète pas, pour tout ramener à la maison, j'ai trouvé quelque chose de très simple. En effet, c'est très simple, mais c'est pas facilement portable. C'est un sac à dos en mode poussin, donc c'est de la moumoute. Ça m'a fait mais énormément rire pendant tout le resto à la fin. Donc c'est en moumoute, les hanches sont roses, qui s'ouvrent comme un ice pack. Vous avez même une petite pochette devant, là, comme un ice pack. Mais en plus, parce que ça serait juste trop mignon déjà qu'il y ait ça, il y a une capuche qui est accrochée. Donc quand vous le mettez, histoire d'avoir bien con, vous mettez la capuche par-dessus. Alors déjà, ma mère a très bien choisi parce que mon pseudo, enfin mon surnom dans mes copines, c'est Poussine. Oui. Donc voilà, donc ça me va très bien parce que c'est un espèce de poussin à crête ou je sais pas quoi. Et en plus, donc la capuche se détache, donc au pire, je peux garder que le sac à dos. Mais ça m'a fait énormément rire dans le restaurant en tous les cas. Et en effet, ça m'a permis de tout ramener à la maison. Donc c'était très très bien comme idée. Bah voilà. Je suis encore une fois très 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 contente de tous mes cadeaux. Je remercie vraiment tout le monde, que ce soit mes amis ou ma famille. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce week-end. Parce que Dieu sait qu'il a été dur à passer. Donc voilà, je vous remercie encore tous mille fois pour tout ça. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pensé sur Hello Coton et sur Facebook. C'est très très gentil. Donc voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!